Dieu, il n'y a plus de doute. Mon père n'est pas mon père. J'en ai maintenant la preuve. Regarde, ces mots d'amour adressés à ma mère. C'est bien de ma naissance qu'il s'agit. Moi, Bernard Profitant Dieu, 17 ans de mensonges. Le choc est brutal. Ne pas savoir qui est son père, guéri de la peur de lui ressembler. Monsieur, j'ai découvert par hasard que je dois assassiner un conseiller de mon père. Et c'est pour moi que c'est un divorce. Je pars sans ma mère. Je crains de m'être envie de se trouver. Je ne veux pas avoir fait la dame. Je suis malade de mon cœur. Une dame me laisse.
le remarquez pas, involontairement, inconsciemment. Deux êtres s'aiment et chacun veut ressembler à cette idole qui contemple dans le cœur de l'homme. Qui aime vraiment renonce à la sincérité. Et puis vient un jour où l'être vrai reparaît, le temps lentement déshabille de ses vêtements d'emploi. Si c'est de ses ornements que l'autre est épris, il ne presse plus contre son cœur qu'une parure désaliée, un souvenir, deuil et désespoir. Que puis-je faire pour toi, Laura, chère Laura? Il y a 15 jours, j'avais le cœur plein de Laura. Mais j'ai beau m'en défendre aujourd'hui, la figure d'Olivier occupe toutes mes pensées. Comment est-ce arrivé? Un matin d'été, je flânais le long des quais. Je vis un jeune lycéen qui fouillait les rayons d'un bouquiniste. Le garçon déroba un livre, mais en voyant que je ne le quittais pas des yeux, il reposa le livre et s'éloigna. Je le rattrapai et lui offris son livre. Puis il me dit son nom. Georges Molinier, c'était mon neveu. Je sautai en taxi pour aller chez ma sœur. Pauline fut heureuse de ma visite. J'allais enfin faire connaissance des enfants. Georges me tendit la main avec un sourire poli et je vis Olivier. Dès son premier regard, je sentis qu'il s'emparait de moi, que je ne disposerais plus de ma vie. Puis Laura s'est mariée. J'étais invité à la cérémonie. Par quel hasard Pauline fit-elle asseoir Olivier à côté de moi? Je ne sais pas. Il a pris aussitôt ma main, l'a retenue dans la sienne qui palpitait comme un oiseau. Il avait les yeux fermés. Je le contemplais pendant le mariage. La fête battait son plein. Je croisais Laura. Pouvait-elle encore compter sur moi comme un ami? Jamais je n'eus plus envie de l'embrasser qu'à ce moment-là. « Quoi qu'il advienne, lui répondis-je, je m'enfuis vers Olivier. »
Maintenant, rendez-moi mes affaires, monsieur. Aussitôt qu'il vous plaira, monsieur. Je suis depuis ce matin sans gîte, sans famille et sans ressources. Enfin libre. Et je viens vous proposer d'être votre secrétaire. C'est incongru, mais pourquoi pas. Demain matin, ici, même heure. Vous êtes pas là.
fois, je m'enflammais pour chaque femme croisée dans la rue. À présent, je ne suis plus sensible à aucune autre forme de beauté que la sienne. À ses lèvres, à son regard. Thank you.
Il s'assit sur un banc. Il voyait devant lui l'océan de la vie s'étendre. On dit qu'il était au-dessus de la mer, mais elles ne sont pas tracées, et Bernard ne savait pas quelle était la sienne. Il méditait depuis quelques instants, lorsqu'il vit s'approcher de lui un ange, glissant d'un pied si léger qu'on sentait qu'il eût pu poser sur les flots. Bernard n'avait jamais vu d'ange, mais il n'hésita pas un instant. Et lorsque l'ange lui dit « Viens », il se leva docilement et le suivit. Le temps est venu pour toi de faire tes comptes, dit l'ange. Il n'était pas plus étonné qu'il ne l'eût été dans un rêve. Il chercha plus tard à se souvenir si l'ange l'avait pris par la main, mais s'il ne s'en souvint pas. L'ange entraîna dans différents lieux qu'il reconnaissait et où il croisa Laura, Olivier, Édouard et d'autres qu'il ne connaissait pas. On lui demanda de signer un pacte qu'il engageait solennellement, mais à quoi ? Il ne parvenait pas à s'en souvenir. Alors Bernard, furieux d'avoir signé, se battit avec l'ange jusqu'à l'aube. Une lutte sans vainqueur ni vaincu. Et après, yeah.